Mesdames, messieurs, Sébastien Bourgault. En forme? Ouais! Je suis vraiment content d'être ici à soir. C'est juste moi ou partout où je vais, je me rends compte qu'il y a des incompétents. Mais vraiment des incompétents, là, OK? Je suis au Pétro-Canada, il est à peu près minuit et quart. J'arrive, la porte est barrée, mais il y a de la lumière, puis le gars, il est là. Fait que je m'en vais le voir, j'ai dit, excusez, t'es-tu fermé? Il dit, non, je suis ouvert. Ben, je dis, peux-tu m'ouvrir la porte? Il dit, non, après minuit, on ouvre pas la porte. Ben, je sais pourquoi. Ben, c'est passé dangereux dehors. Ben, justement, tabarnak, fais-moi rentrer. Non, mais je suis assez incompétent. Ben, là, je dis, comment ça marche? Ben, il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je vais aller te chercher. Ben, tabarouette, j'ai toujours rêvé d'avoir une Porsche. Ben, je dis, niaise, là, va me chercher un Red Bull. Il part. Il s'en va. Il revient, il dit, 2h29. Ben, j'ai pas fini. Ben, il dit, de quoi t'as pas fini? Ben, j'étais parti trop vite. Et on dirait, t'as pris mon Red Bull. Je dis, il dit, faut que tu me dises ça tout de suite, là. Je vais pas faire 15 000 voyages pour toi. J'ai pas juste ça à faire. J'étais en train de geler dehors! Lui, il est au chaud, c'est leur concept à eux, je les dérange. OK, OK? Va me faire un café, 3 crèmes, 3 sucres. Puis mets-moi un sous-marin dans le four micro-ondes. Fait qu'il part, il fait mon café, là. Et même mon sous-marin, au moment qu'il met, je cogne dans la vie, je fais « Bye bye! » Il sacré mon cœur! Le gars, il est sorti. Il est venu cogner dans ma vitre. Là, j'ai fait le saut, je dis « Qu'est-ce que tu veux? » Il dit « T'as pas payé? » J'aimerais bien ça payer, mais moi, après minuit, je suis pas de mon genre. McDonald's! McDonald's. Ils sont ouverts 24 heures, mais les produits de vente sont pas 24 heures à l'intérieur. Ils te le disent pas, faut que tu devines. Il est minuit et quart, j'arrive, je vais te prendre une poutine. Parce qu'après minuit, on fait pas de poutine. Et là, je vous jure, là, je l'imite, mais vraiment bien, OK? J'en mets même pas. Je dis, de quoi, après minuit, tu fais pas de poutine? C'est-tu Cendrillon qui fait tes poutines? Non, après minuit, on fait pas de poutine. Ah, mais c'est écrit ça, on peut pas après minuit. Il dit parce qu'on a serré à sauce. T'as serré à sauce? Ouais. Va chercher! Mets-moi ça dans le four micro-ondes, on en parle plus! On peut pas. Fait que là, moi, j'ai fait, ben fuck off, OK, je vais te prendre. Donne-moi donc un sundae au caramel. Et là, il part. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? T'as serré le caramel? Non, non. Et t'as content que t'as pas ça? Non, non. On a fermé la machine. T'as fermé la machine? Ouvre-la! Et là, je vous jure, écoute, ça m'a tellement agressé, je me suis dit, jamais je retourne plus dans un McDo de ma vie. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je suis sous, je me retrouve dans un McDo. Moi, c'est là que ça de même, hein? Comme tabarouette, tu es au McDo, tant qu'être là. Et 3 heures du matin, je suis sous au centre-ville de Montréal, je suis au McDo, je fais bon. T'inquiète là. Je vais prendre un trio Big Mac. Le gars, il prend mon hamburger, il la met dans un sac. Il prend ma frite, il la met dans un sac pour emporter. Je fais non. Mets-moi là dans un cabaret, je vais manger ici. Il fait oh, mais c'est. Peut-être que, attends là, on fait un pot de cabaret. T'aurais pas un cousin par hasard? Fait que là, je dis pourquoi qu'à cette heure-là, tu fais pas de cabaret? Il me dit ah, oh, c'est parce qu'à cette heure-là, ça incite la violence. Fait que moi, j'ai dit, c'est pas parce que 3-4 morons un soir qui se sont pognés que tu vas pénaliser tout le monde. Et là, il me regarde, il dit, t'as-tu fini faire de snap, le gros? Une chance, j'avais pas un cabaret. Ben, j'aurais pété d'en face! Moi, j'aime ça aller au cinéma. 11 piastres et demi le film, je capote. Mais c'est pas ça qui me gosse le plus. C'est le combo à 15 piastres. Popcorn, liqueur. Du popcorn, ça coûte 10 cents l'affaire. C'est quoi ça, cette affaire-là? Hein? Mais on n'a pas le choix, t'as faim, tu veux triper, c'est ça ou c'est rien? Et là, j'ai trouvé un truc, mesdames et messieurs, pour plus payer de popcorn, puis d'en manger tout le temps! Ça vous tente-tu? OK, OK. T'achètes le combo à volonté. Ça te dit, c'est ta volonté. Tu l'achètes une fois. Qu'est-ce qu'on fait quand on mange du popcorn au cinéma et il n'y en a plus? On va en remplir.
puis on a du plaisir. Mais on, qu'est-ce qu'on fait tout quand le film finit? On jette le sac. Je te l'ai pu. Gardez-le. C'est ta volonté. Tu retournes au cinéma, tu le sors. Là, tu vas me dire, attends une minute, là, comment... On va te dire comment. Tu sais, un moment donné, les lumières t'amusent, hein? Là, il y a comme des previews qui finissent plus. Tu sors ton sac drette, là. Mais moi, la première fois que je l'ai fait, parce que je suis quand même le cobaye, j'avais comme pas confiance en moi. J'avais comme peur que quelqu'un me stoule. Fait que j'ai comme ma phrase, ça vous tente de la faire. Tu fais comme, tabarouette, et mangez mon popcorn vite, m'en lâche chez d'autres. Hey, je m'en vais au Colossus de Laval. Je m'en vais remplir mon deuxième sac et le gars me met un X en dessous. Mais ce qu'il se fait là? Ben, il dit, ça fait deux fois, c'est assez. Ben, je fais non, c'est à volonté. Hey, une chance que tu vas pas en guerre, toi, hein? Mets ton feu à volonté! Puis toi, tau! Tao! Écoute, j'haïs l'incompétence. Sur l'autoroute, je vois une belle pancarte marquée « Deux Team Burger pour Saint-Pierre chez AW ». Fait que là, mon gros temps dans le mot fait « Boudoum, boudoum, boum, boum ». Hein? Hein? Parce que les hamburgers, dans l'annonce, sont-tu beaux, hein? Sont-tu gros, juteux? Puis ils tournent tout seuls, hein? Hein? Puis on se dit « Tiens, j'aimerais ça qu'ils tournent dans mon bedon, hein? » Fait que je suis convaincu, fait que je m'envoie au AW. J'attends en ligne. Et là, pour le fun, je veux savoir combien ils sauvent en prenant leur spécial. Là, je check. Le Team Burger du sol, 2,49. Fais le compte. 2 fois 2,49, ça fait 4,98. Si je prends leur spécial, me fait fourrer de 2 cents. Là, tu vas me dire, le gros, tu vas pas gosser pour 2 cents. Oui. C'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Mon père m'a toujours dit dans la vie, « Va t'apprendre le savoir-vivre. » Trois règles. Dans la vie, respecte ton prochain, fais pas aux autres ce que t'aimerais pas te faire faire, puis quand tu fais un spécial, crisse, fais-en un! Fait que moi, je fais, « Tu l'auras pas, mon 2 cents. » Fait que j'arrive. Je peux prendre votre commande, bien sûr. Je vais te prendre un Team Burger et rajoute-moi un Team Burger. Ah, il fait, « Tu veux le spécial? » Je fais, « Non. » Ben, il dit, « C'est la même affaire. » Je fais, « Non. » Et là, il me regarde vraiment comme si j'avais l'air d'un nez, petit moron. Mais mon cerveau me dit, embarque pas dans sa game, parce que c'est lui qui est habillé en brun et orange, pas toi. C'est vrai, ça c'est vrai. Fait que là, je dis, as-tu la touche Team Burger? Il me dit, oui, mais j'appuie dessus deux fois, put, put. Ouais, mais j'ai aussi 2 pour 5 $, put. Fait, non, man. Moi, je veux pout-pout. Il dit, si je fais ça, ça va fucker l'inventaire. Asti d'incompétent. Fait que je fais, parfait, parfait. Je vais te prendre juste un Team Burger. Fait qu'il appuie sur le piton, la caisse, oh, je fais, oh, j'ai changé d'idée. Rajoute-moi-en un autre.